Mesdames et messieurs, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. À voir. Le dimanche 5 novembre dernier a eu lieu la messe de lancement des activités de la jeunesse de la paroisse Sainte-Geneviève d'Agbon Gendarmerie. Elle a été officiée par le révérend père Pascal Bazier, vicaire à la dite paroisse. Et puis dans cette édition, nous reviendrons sur les obsèques de son Excellence Mgr Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, pendant et après la dernière célébration faite en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le mardi dernier. Religieux et laïcs ont fait des témoignages sur la vie de l'homme. Comme annoncé en titre, le dimanche 5 novembre dernier, le révérend père Pascal Bazier, vicaire à la paroisse Sainte-Geneviève d'Agbon Gendarmerie, a célébré la messe marquant le lancement des activités paroissiales de la jeunesse. Nombreux étaient les fidèles laïcs, en majorité jeunes, venus rendre grâce à Dieu. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Petit. C'est dans la joie que les fidèles de la paroisse Sainte-Geneviève d'Agbon Gendarmerie ont pris part à la messe du dimanche 5 novembre dernier. Elle a été officiée par le révérend père Pascal Bazier, vicaire à la dite paroisse. Cette célébration qui marquait l'ouverture des activités de la jeunesse a été l'occasion pour le père Bazier de s'adresser aux jeunes en évoquant les conséquences néfastes des fléaux qui minent la société. Chers amis jeunes, la jeunesse est frappée par des fléaux si rien n'est fait. Le constat est clair. Qui est responsable de cette dégénérescence sociale? À quel moment on est arrivé à là? Depuis quand avons-nous commencé à détourner le regard quand des tantis et tontons du quartier arrivent avec des bagages? À quel moment avons-nous commencé à répliquer aux propos des aînés? Quel est l'impact des médias dans les fléaux qui minent la jeunesse, la famille, l'État, l'Église, les médias, les modèles, les leaders? Sur ces fléaux, 31% des personnes interrogées disent que la source des fléaux observés dans la vie des jeunes est la démission parentale. Il s'est également prononcé sur l'influence dévastatrice de certaines personnes publiques sur la jeunesse. L'influence péjorative, promotion de la médiocrité, manipulation pernicieuse en ce qui concerne l'influence des personnalités publiques sur la jeunesse. Il prône des valeurs parfois contraires à l'éducation reçue. Une très mauvaise influence. Il fume, se drogue, change de partenaire, etc. Frères et sœurs, pour terminer, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La célébration eucharistique s'est poursuivie sans articulation spéciale jusqu'à la fin, respectant ainsi les rites habituels. Que retiennent les jeunes de la célébration? Merci au Père pour ce très bel enseignement. Nous avons retenu que notre jeunesse, on doit prendre base sur le Père éternel pour pouvoir se construire et ne pas se ruer vers les vices. Aujourd'hui, nous avons eu une messe très importante, une messe des jeunes et des enfants. Cette messe nous a donné des conseils. Mon Père nous a bien enseigné. Des propos recueillis auprès de quelques adultes de la paroisse. Je tiens à remercier les pères de la paroisse d'avoir initié ces gens de messe. Parce que nos enfants ont besoin de ça. Il faut qu'ils soient un peu formés dans la vie chrétienne. Et on compte sur les curés, le curé et son vicaire, pour faire ce genre d'enseignement. Le Seigneur nous interpelle à vivre en communauté, en famille, en fraternité. Et c'est le vivre ensemble que le père vicaire Bazier Pascal a donné dans cet enseignement qu'on a reçu. Alors, je pense que cela nous interpelle tous en tant que chrétiens. Et puis, pour terminer, la messe de suffrage dite en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le mardi 7 novembre dernier, pour son Excellence, Mgr Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo,
a été une autre occasion pour ses proches de lui rendre hommage et faire des témoignages. Découvrons-les dans le papier image commenté par Marie Abissier. Depuis le 2 octobre 2023, Son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, est entré dans le mystère de sa Pâque, passant de la vie terrestre à la vie éternelle. Il a terminé son pèlerinage sur terre à l'âge de 71 ans le mardi 7 novembre dernier. Ses confrères dans le sacerdoce ministériel, ses parents, amis et connaissances, réunis à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, ont prié pour le repos de son âme et lui ont aussi rendu hommage. Marie-Daniel et moi, on se côtoie depuis longtemps. Lui était jeune prêtre et moi j'étais séminariste. Et on se retrouve souvent dans les instances de les journaux, la littérature, voilà. Alors, ce que je retiens de lui, ce n'était pas un grand théoricien. Ce n'était pas un homme de discours, de grande idéologie. C'était un homme du concret. Et il a aimé vraiment dans le concret. Rappelez-vous tout ce que j'ai dit dans l'homélie. C'était un homme du concret, au point où quelquefois même, il défiait la logique. Là, on pense que, bon, normalement, c'est ce qu'on doit faire. Lui va agir autrement. Parce que ce qui le motivait, ce n'était pas la raison cartésienne, c'était le cœur. Monseigneur Marie-Daniel Dadier était un homme compatissant et généreux, très, très généreux. Pour lui, il n'y avait pas de distinction de classe sociale entre les personnes qu'il côtoyait et tous ceux qui venaient vers lui. Il acceptait tout le monde. Ce que je peux retenir, c'est que sa vie, pour moi, c'est un témoignage, non seulement un témoignage, mais c'est un exemple à suivre. Parce que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à être charitables. En voyant l'exemple de cet homme-là, nous devons nous poser quelques questions et puis essayer de faire comme lui. Ce grand homme, c'est un homme de Dieu. C'est à la fois mon père, à la fois un ami. On s'est rencontrés plusieurs fois dans des cérémonies depuis 2015-2009 à la présidence. On a gardé notre amitié jusqu'à ce jour. Et puis, il m'a laissé des souvenirs vraiment inoubliables. Paix à son âme, que la terre lui soit légère et que de là-haut, ses bénédictions puissent rejaillir sur la Côte d'Ivoire. C'est un homme rassembleur. À Sainte-Thérèse de Makori, avant quand il pleuvait, notre cour était boueuse. Et c'est Monseigneur Marie-Daniel qui a bétonné toute la cour de Sainte-Thérèse. C'est lui qui a agrandi la cour, c'est lui qui a fait la clôture, c'est lui qui a fait les grands portails que vous voyez. Il avait même construit la grotte. Et Monseigneur Marie-Daniel est un homme bon, affable, fidèle dans ses amitiés. Il est aussi bien ami des pauvres qu'ami des riches. Et quand vous êtes son ami, c'est pour la vie. Et je l'appelle affectueusement ma grand-mère. Parce que son amour dépasse celui d'un homme. Il avait plus un amour maternel, féminin. C'est pour ça que je l'appelais ma grand-mère. Un programme est fait pour être bouleversé, échangé ou changé. Et c'était sa phrase. Pour nous dire qu'il nous a mis à l'épreuve et on a compris. Monseigneur Marie-Daniel Dadier était comme un papa pour moi. Hein. Depuis très jeune, au lycée, il était notre maître de cœur, le fondateur d'une chorale qu'on appelait l'équipe de vie Saint-Jean-Apôtre. Donc au niveau de la formation spirituelle dans le chant et la liturgie même, en tout cas c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et c'est cette voie-là que j'ai suivie. Il faut dire que Monseigneur c'est quelqu'un, c'est un rassembleur, et il aime dire la vérité. Quand c'est pas bon, il le dit, en tout cas il ne cache pas. Et si c'est que tu es fâché, bon, il dit, ben, je t'ai dit, hein, mais au moins, je t'ai demandé pardon, c'est tout. Mais au moins, il te dit ce qui ne va pas. Et ça, c'est un exemple. Le fils de la région du Lodjibwa, ordonné prêtre le 9 juillet 1979, nommé évêque auxiliaire de Korogo, puis évêque de Katiola, avant d'être consacré archevêque métropolitain de Korogo le 12 mai 2004, son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier sera inhumé le vendredi 10 novembre 2023 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo
après la messe de requiem. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.